Saul de Custine a connu et fréquenté tous les plus grands écrivains et les plus grands artistes de son temps. George Sand, Stendhal, Berlioz, Chopin, Delacroix. Dans la vie de l'écrivain Saul de Custine, la ville de Paris tient une place toute particulière. Saul fut aussi un bienfaiteur pour Saint-Gratien. Custine est quand même un écrivain de grande valeur. C'est quelqu'un d'immensément intelligent. Son esprit de curiosité, d'aventure, de courage personnel. C'est un goût pour l'ailleurs que l'on retrouve dans les recettes et notamment à la table d'Astolphe de Custine, puisque lui-même était un grand voyageur. Il apparaît comme un romancier politique. Oui. Et il voudrait être un penseur politique. Oui. Et bien sûr, son merveilleuse style d'écriture. Avec quelques formules de type admirable. Les films de Custine, entre autres qualités, est une remarquable figure d'amoureuse romantique.